bienvenue sur le plateau du Big Deal. Il est 19h, on va passer quelques 50 minutes ensemble. Bill, tu vas bien? Bond. Bill Bond. Je te présente Monde, Raymond. Qu'est-ce que c'est rigolo, ça. Allez, on enchaîne tout de suite avec le premier deal, le premier des 5 deals. On va jouer avec les travaux publics. Il est question de niveler. Et quand on nivelle, vous avez vu qu'en ce moment, on nivelle, c'est par le bas. Donc, on va jouer au bulldozer. Il est humain, c'est donc un bulldozer humain. Et on accueille Vanessa, Roland, Pierre et Didier. Vanessa et Roland qui sont ensemble, hein, déjà. Hein, ça, Bonjour Vanessa, bonjour, vous allez Vincent. Bien? Je vous embrasse. Ça va bien? Très bien. Roland, c'est votre casse-croûte. Oui. Je vous vois, vous tenez la main. Lui, c'est votre roue de secours. Et là, il y a la béquille. Vous allez bien? Non, d'accord. Alors, vous avez une sucette pour trois. Tout à fait, oui. Voilà, tout à fait. Vanessa, c'est vous qui êtes le capitaine de l'équipe. Il paraît. Vous avez des yeux bleu-vert, c'est merveilleux. Oui. Surtout qu'il y en a deux. Vous nous arrivez d'où, Vanessa? Du Coudray-Mousseau. Oui. Avec Roland, dans l'Essonne. Ah, d'accord. Vous étiez dans l'Essonne. Vous êtes dans l'Essonne. Vous faites... Ah oui, on est obligé de dire bonjour à Bill. Bonjour Bill. Ah, oh, bah quand même. Bonjour, ça va? Faites quoi dans la vie, Vanessa? Je suis secrétaire. Faites quoi, vous, dans la vie, directeur Roland? De magasin. Directeur de magasin de sport. Très bien. Vous avez passé la sucette. Faites quoi, vous? Quel est votre prénom? Pierre. Oui. Pierre. Voilà, et vous faites? Chargé d'affaires. Très bien, et vous? Je suis vendeur meuble. Très bien. Vous êtes vendeur de meubles. Très bien. Vous êtes costaud? Vous êtes sportif? Oui, tout à fait. Vous êtes sportif. Et vous êtes intelligente? Oui. Oui, non, non, non. Vous dites oui, très. Oui, très. Hein, on va le refaire. Donc vous êtes sportif? Oui, tout à fait. Et vous êtes intelligente? Oui, très. Voilà. Ça fait naturel. Je vous propose de jouer au bulldozer humain. On va se décaler par ici pour accueillir le bull du Big Deal. Alors, messieurs, je vais vous récupérer la sucette. Je vais vous demander de venir vous faire équiper par Claude, notre ami des élastiques. Et vous allez comprendre. Voilà, Claude, tu équipes. C'est... Alors, Anou, viens dès. Ralevi, Valérie, Vanessa. Virgie, Vanessa. Attention, un micro. Hop là, vol. Alors, chaque jeton où il y a écrit Big Deal, c'est un cadeau. Alors, nos amis ici qui sont harnachés avec des élastiques qui les retiennent vers l'arrière, le jeu, c'est simple, bien ensemble et bien synchro. Vous prenez de l'élan et vous poussez la barre de manière à faire tomber le maximum de jetons, ok? Quand vous, juste vous faites attention parce que l'élastique il va vous ramener très vite en arrière, donc je vais vous donner un conseil, ne cherchez pas à vous retenir les uns aux autres. Là c'est chacun sa merde, hein? Non, parce que c'est le coup à faire tomber le voisin alors qu'il ne serait pas tombé. Voilà, bon ben nous on a combien de temps Bill pour ça? Eh bien exactement, nous avons 1 minute et 30 secondes. 1 minute 30, ok? Et on joue pour quoi? Pour les cadeaux qu'il y a sous le... Pour des cadeaux qui... Voilà. On est prêts? 1 minute 30 secondes, c'est ça? 30 secondes, hein? Oui, oui, je l'ai dit. Je vais te redire une troisième fois. Allez, 3, top, c'est parti! Allez, roulez! Allez, c'est bon, reculez, doucement! Ça, je l'avais dit, hein, ça va? Vous rattrapez pas les uns aux autres, hein? Et vous, approchez-vous, hein? Approchez-vous, les technas. Allez, faut mettre des jetons là. Allez, on remet des jetons là. Faut mourir. Attendez. Allez-y, voilà. Encore. Allez, go, c'est bon là. Allez, jetons. Voilà. Ça va pas aller ça. On va plutôt faire 45 secondes, Vincent. On arrête le chrono. Ok, alors, dans les jetons gagnants, nous avons 3 presses citrons. Bill, un peu. Oh, 3 presses citrons, oui, j'ai les précisions. Les voilà, ils vont apparaître. 3 presses citrons, 149 francs l'un, ce qui fait 447 francs, puisqu'il y en a 3. Grave, hein. Et on a 3 appareils photo. Oh là là, les appareils photo, ils sont partis 4990 francs l'un, ce qui fait donc une valeur totale de 14 970 francs. Bah, ça... Ok, parfait. Bien. Bon. Il reste combien de temps? Il reste 39 secondes. Vous avez la possibilité entre deux solutions. Ce qui sont le mieux le 1. Vous laissez tomber tous les
tout ce que vous avez gagné mm-hmm. et vous prenez ce qui rentre à travers les rideaux. Oui. Ou alors vous renoncez à ce qui rentre à travers les rideaux et vous continuez à faire mes jetons. Je vais peut-être leur poser la question, c'est eux qui poussent quand même. Ma quota. Ah. Allez-y. Qu'est-ce qu'on fait, on continue ou on arrête ? On continue ? Alors on va quand même découvrir ce qu'il y avait derrière le rideau. Ça, vous les avez accrochés là ? Rideau ! Quel dommage, vous les avez perdus, ces bulldozers qui vous allaient tellement bien. Oui, oui, ces bulldozers en forme de jouet. Il y en avait 3 à 55 francs, 165 francs. Allez, il reste combien de temps, Bill ? Il reste 39 secondes, 39 Vincent. Secondes, 3, 2, 1, top, c'est reparti. Allez, allez, allez. Ah, non, ça suffit pas, oui. Allez, on va remettre des jetons, là, on va remettre des jetons. Remettez des jetons, là, allez-y, encore, voilà. On peut en mettre qu'un, voilà, un seul. Allez, go, repartez. Allez, 20 secondes. Le dernier, allez. Secondes. Allez, encore un coup là, il faut encore un coup. Attends, alors on a ici, on a gagné 3 combis télémagnétoscope. Oh là 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 là, à 1990 francs l'unité, il y en a 3, ce qui fait que... Vincent, vas-y, dis-le. 5970 francs, voilà. Les 3. On a 3 mallettes de jeu. Oh, 3 mallettes de jeu qui valent 345 francs chacune. Donc, Vincent, ça veut dire que ces 3 mallettes font 1035 francs. 1, 2, 3, il y en a 3. Au total 22 422 francs. Venez. Pour ces 3 hommes vaillants. Avec une... Ça va, vous n'êtes pas fait mal ? Ça va ? Oh, ça a claqué, hein. Vous n'êtes pas trop fatigué. Mais ils sont jetés à deux sur vous pour vous... Là, là, salaud. Qu'est-ce qu'on fait de ces 22 000 francs de cadeaux? On se les garde ou on se les rejoue et on les prend... Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, je crois. Vous qui voyez, hein. Attendez, je vais vous donner... Hop là. On les garde? Non, on va les garder. Ça allait bien dans le bazar. Voilà, on les garde. Virginie, vous êtes pour les garder. Roland? Pour les garder. On les garde, vous êtes d'accord? On va les garder. Donc on renonce au rideau. Oui. Vous renoncez au rideau, vous gardez vos cadeaux, regardez ce qu'il y avait behind the curtain. Derrière le rideau, et oui, regardez-la bien, vous l'avez perdue. Regardez-la bien, elle était assortie au costume vin de Vincent. Elle est très belle, elle vaut 56 500 francs. Voilà, regardez-la, mettez votre main droite à hauteur de votre visage et dites à la voiture, au revoir la voiture. C'est bête, hein? Et Vincent, quand même, on va pas partir comme ça. On va être galant, parce que les cadeaux, Vincent, ils sont pour les 3 bulldozers, là, les 3 messieurs. Mais tu vois ce superbe collier, j'ai envie de l'offrir à cette ravissante jeune fille, et je lui offre. C'est un collier en or d'une valeur de 2100 francs, et je lui offre. On se retrouve tous les 4 à la fin de l'émission pour remettre en jeu ces cadeaux avec le collier, avec tout. Et puis, avec un peu de chance, ce sera vous qui remportirez la voiture. D'accord. À tout à l'heure, merci beaucoup. Le temps pour nous de remballer tout le matos. Aïe, aïe, non, j'ai rien fait, moi, les mecs. Je vous propose de chanter quelques chansons en compagnie de notre ami Sébastien, non pas Patrick. Ça va, Sébastien. Ça va. Bonsoir, Bill. Bonsoir, c'est qui, Sébastien. C'est hystérique au milieu du C'est des amis. Ah, d'accord. Ouais. Comment on fait pour avoir des cheveux comme ça? Je sais pas. Oui, ça va, faites le malin. Hein. Moi aussi, j'ai l'arrêt au milieu, mais bon, là... Disons que lui, c'est un sentier, toi, c'est une autoroute. Pardon, je m'en vais. Faites quoi dans la vie, Sébastien? Je suis étudiant en hôtellerie-restauration. Ah, douce, port élégant, naturel, voilà. Qui est le vôtre. Vous nous arrivez d'où? De Savigny-sur-Orge. Je vous propose de, si vous avez envie, de vous donner la parole ou la note pour une chanter. Une chanson. Vous voulez chanter? Vous avez envie de chanter? Ouais, un petit Vous peu, pas ouais. obligé, hein? Si, si. Est-ce que vous voulez chanter quoi? Bah, Full Sentimental. Full Sentimental. Voilà, d'Alain Souchon. Oh là là, quantité de oh choses. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autres choses. Car Full Sentimental,
On a soif d'idéal. Ouais. Bravo. Allez, connaissez Ramucho? Oui. Connaissez les gaffettes? Oui. El señor Ramucho. Ah, c'est ça. Eh ben, c'est, salut tout le monde, les gens. Salut, salut. Salut Vincent. Bonjour Bill. Bonjour. Vous allez bien? Non, parce que je m'en sors pas, Vincent. Parce que j'essaye. Tu me vois, Vincent? Oui, mais enfin, je vois surtout que c'est. Je me suis lancé dans l'élevage. J'essaie de faire un élevage de poulets en batterie, c'est pour ça. Ah ouais. J'ai le mort, Ramucho. Et vous en avez amené combien, là? J'en ai beaucoup. Ça commence à bien marcher. Au début, j'avais pas beaucoup d'argent. J'avais 2 balles, puis j'ai les à 5 balles. C'est pour ça, Vincent. J'ai tout prévu. Ça va rentrer dans la caisse. Hein. Je peux te le dire. C'est pour ça que j'ai pris une grosse caisse. Ouais. Et puis tu sais, Vincent, comme dit notre cher scientifique Lavoisier, hein, rien ne se perd, tout se crée, rien ne se crée, tout se transforme. Et ben regarde, avec les produits de mon élevage, et ben j'ai fait une jolie veste en pied de poule. C'est joli. Oh, comme c'est joli. Regarde comme c'est. Ah, regarde comme ça me va bien. C'est drôle, un mot. Regarde comme c'est. Hein, je suis fier comme un coq. Ah, ça c'est. Ouais, je dois dire, c'est. J'ai le mot Ramucho. Ah, eh bien. Eh bien. Bien, allez, vous connaissez le principe de ce jeu. Il faut découvrir ce qu'il va tenter d'interpréter. Et puis, voilà, c'est-à-dire que là, donc là, on a loué une batterie et des poules juste pour vous permettre de déconner un peu. Bah, c'est sympa. Bah, ouais, c'est sympa, c'est bien. Valentine. Elle avait de tout petites temps que je t'appelle. C'était Valentine. Oui, exact. Bravo, bravo. Rappelez-moi votre prénom. Comment? Rappelez-moi votre prénom. Sébastien, choisissez un cadeau qui est à vous. Le jaune. Le jaune. Non, pas tout de suite, le rideau, c'est après, hein, le rideau. Le jaune. Oh, t'as rayé, constat. Attention. Chérie. Ouais, vous avez gagné, je suis content de vous le dire, le plateau garni avec les gâteaux de Bill. Ça, c'est un très joli cadeau, je crois. Hein, vous pouvez dire merci à Bill parce que ça vaut quand même 200 francs, ce truc. Ah bah alors, mine de... Allez, on enchaîne avec le deuxième. Je recommence. Lady Lay. Non. Lady Lay. Ouais, je connais, mais... On élimine l'orange. Bon, vous en avez trouvé 1 sur 2, hein, pour l'instant. Pour l'instant, on est dans la moyenne. Oui. Et voilà, vous avez perdu comme c'est dommage ce magnifique wakeboard. C'est un monoski nautique, on peut le dire. Et ça vaut, vous l'avez perdu. Hein. Donc regardez-le bien, dites-lui au revoir. Parce que ça vaut, non, vous l'avez perdu, hein, j'insiste. Hein, parce que ça vaut, je vais vous dire le prix, vous allez avoir les boules, là, sérieux. Hein. Ça vaut 3395 francs. Et voilà, mais c'est pas de wakeboard. C'est pas du tout de wakeboard. Bah, il aurait pu le revendre. Ouais, tu fais. Elle commence à m'attaquer. Vous êtes attaqué par les poules? Je crois qu'elles sont croisées avec des aigles, j'ai l'impression. C'est pas normal qu'elles volent comme ça, quand même. Ah, bonjour. Et puis, disons, je sais pas si ça vient de là, mais ça cocotte, hein. Ah non, c'est pas les poules, hein. Ils m'ont laissé un macaron, ils n'ont rien comme ça. Allez-y. Fastoche.
c'est fastoche. Ah ouais, j'ai trouvé, moi. Non. Ah ouais, fastoche, Sébastien, vous avez jamais écouté les Beatles? Penny Lane, allons, ouais. Penny Lane, c'est dur, hein. Hein? C'est dur, hein, je joue pas très bien. Bah, c'est le but du jeu que vous ne trouviez pas non plus. Il a dit, là. Non, j'ai pas il a dit c'est très dur parce qu'il joue pas très bien. Ouais. Je m'en souviendrai. C'est petit, c'est petit, Sébastien, ce que vous venez de dire. Oui, c'est bon, petit, ça ne vous portera pas chance. Sans non, ce n'est pas la vérité, car c'est le seul musicien qu'on ait trouvé qui accepte de jouer 44 instruments différents avec la même paye. Vous avez gagné pour combien, Bill? Ah, il a gagné pour 200 francs, le regarde, plateau garni avec les gâteaux de blé. Regarde ce qu'il y a sur ta soucoupe. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, toi. Au bout. Au bout. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le rideau. On prend le rideau, ouais. On laisse tout tomber et on prend le rideau. Il a bien fait, car derrière ce quelque magnifique moto, 125 cm cube avec en plus le casque que je vous offre en prime. Elle est pas belle, la ville, pas débile, le bill. Et d'une valeur totale de 27 335 francs. Elle est chouette, hein, hein. Vous aurez l'air de quelqu'un maintenant. Ça vous plaît, vous plairez, ouais, enfin, bon, ouais, aux filles. Ça vous plaît, ça, ouais, ouais, c'est bon. A okay. Tout bientôt. Merci. Salut, Sébastien. Bon, Ramoucho. Faut aller, la poule, là-bas, hey, t'en vas, hein. Faut pas rester là. Tu veux être ma copine, bah viens dans la soucoupe, c'est pas toi, est-ce pas? Ramoucho! Ouais? Chope ça! Hop là! Allez! Attends, bouge pas, il y en a une autre là-bas. Ouais, là, c'est trop mal. Non, cours pas! Oh bah, j'ai un élevage, moi, dans la soucoupe. Eh, Vincent, Ramoucho, il a des bonnes idées, hein. Viens, coucou! Ah, ça leur fait pas mal, rassurez-vous, je leur fais pas mal. On les connaît un peu, les bébêtes. Non, faites pas, oh, dès qu'on touche un animal, c'est... Pauvre bête! Tu es gentil, mignon. Ramoucho! Brigitte Bardot te regarde, Vincent, et elle n'est pas très contente. Attends! Ah ouais, non, c'est... Elle reste là-haut, celle-là, hein. Elle reste là-haut. J'ai reçu une lettre de la SPA comme quoi il fallait pas avilir et humilier les animaux. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup humilié les animaux aujourd'hui, hein. Voilà. Fort de question qu'à la place de l'humilier, on la bouffe celle-là d'ailleurs. Hein. Allez, on enchaîne tout de suite avec Fatima. Oh, bonjour Fatima. Bonjour Vincent. Ça va bien? Bonjour Bill. C'est un petit cadeau de la part de David qui est dans la salle. David, c'est qui? Il est où David? C'est un petit garçon. Salut mon copain, c'est pour moi? C'est une cravate, ça, je suppose. Oh. 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 Ah. Ouais. Et... Celle-là, je l'avais pas. Je l'avais pas, celle-là. Ah, ça tombe bien, alors. Oh, ça me fait plaisir, ça. J'en avais une avec des bonhommes de neige, mais avec des petits Snoopy, j'en avais pas. Je suis très sensible à tout ce qui est cravate. Moi qui avais fait une collection, maintenant, je commence à en avoir quelques-unes, hein, des cravates. Vous travaillez? Non, je suis actuellement en congé maternité. J'élève mon dernier. Ah, vous allez la voir? Non, non, je suis en congé maternité. Ah bon, j'avais pas compris. C'est pour ça que j'étais en train de dire, mais vous avez pas l'air de quelqu'un enceinte. Non, 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 pas du tout. Pas. Non, non, il a 4 mois, le dernier. Très bien. Il y a 4 mois que... Je plaisante. Vous croyez à l'astrologie? Les signes, tout ça? Un petit peu. Vous êtes de quel signe, vous? Balance. Balance. Moi, je suis scorpion. Oh. Ah, c'est terrible, ça. Oui. Je vous propose de gagner un maximum de cadeaux avec la balance astrologique, mieux connue sous le nom d'astrobalance. Très bien. Allez, on va se déplacer par là-bas et on envoie l'astrobalance. L'astrobalance qui nous est apportée par toute l'équipe des techniciens, menée de main de maître par l'ami Alex et l'ami Flavio. Bello. Ciao, come sta bene? Tout à posto? Alors, le jeu est très simple. Il faut faire monter 6 personnes sur le plateau vide. Et si ces 6 personnes n'arrivent pas à soulever les cadeaux qui sont là-bas, tous les cadeaux sont à vous. Très bien. Regardez bien. Bill, la balance, elle vaut... Alors, en tout, elle vaut 31 449 francs. Il y a 31 449 francs de cadeaux. Tout à fait, on va rester là. 31 400 francs. Alors,
Vous devez impérativement prendre 3 hommes, 3 femmes qui ont tous plus de 18 ans. Donc à vous dans un chrono. À vous de prendre les plus... Hein. Oui, pas trop gros. Hein. Alors vous avez 1 minute 30, top, c'est parti. Allez, allons-y. Monsieur, alors là... n'oubliez pas, il faut prendre des légers. Hein, des légers, hein. Et ça part fort là. Bonsoir. Voilà. Madame, là. Madame. Là. Allez-y, madame. Viendez, madame. Viendez. Attention, marchez pas sur le petit garçon. Non, voilà. Mademoiselle, soyez la bienvenue. Le monsieur. Oui, vous avez bien fait. Elle prend que des petits, là. Hein. Voilà. Venez là, le modèle réduit. Bonsoir. Allez-y, madame. La jeune fille. Voilà. Vous avez 18 ans, mademoiselle. Ah, elle n'a pas 18 alors, ans. Une jeune fille qui a 18 bonjour. Ans. Bonjour. Bah, voilà. Ah, une, encore une. Je vous en prie. Ah, ben là, voilà, elle arrive, là. Ça fait... Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut un homme de plus, par contre. Un homme. Bonsoir. Ça va bien? 45 secondes. Allez, un homme, monsieur, là-bas, regardez, là-bas, il y en a un bien, là-bas, regardez, il est léger, il est jeune. Allez, bah, alors, voilà, s'il a 18. Allez, viens-y, mon copain. Vite, combien de temps il reste? 32 secondes. Il vous reste 32 secondes pour parcourir les 4 mètres, c'est bon. Bonsoir, ça va bien? Ouais. Je vous en prie. Non, c'est là-bas, voilà. Bien, alors, stop, on arrête le chronomètre. Voilà, ça représente 31 000 francs de cadeaux. Alors, maintenant, je vous propose la chose suivante. Avant même qu'on les fasse monter sur la balance, si vous pensez que les 6 réunis sont plus lourds, vous pouvez d'ores et déjà renoncer à tout ce qu'il y a comme cadeau. On ne va pas plus loin et on prend directement ce qu'il y a derrière le rideau. C'est trop lourd. Vous croyez que c'est trop lourd, là? Ouais. Écoutez... On a un scooter qui fait bien 100 kilos. Combien? Ça fait bien 100 kilos, un scooter comme ça. Facile. Ça fait 100 kilos facile. On a une télé qui fait bien 30-40 kilos, je dirais 140 kilos. On a la machine à laver qui fait largement 50 kilos. On est déjà à 200 kilos. 200 kilos plus les poids qu'on a rajoutés là. À mon avis, on n'est pas loin des 280 à 300 kilos. Et à mon avis, il n'y a pas 300 kilos là. Cela dit... Ils sont très légers, oui. Oui, ils sont très légers. À part les 3 hommes. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On tente ou... Alors le casse-croûte, là. Là, on va prendre le rideau, alors. OK, on renonce et on prend le rideau. D'accord, alors. On va déjà faire monter les 3 dames. Pour le fun, pour savoir oui, si vous sûr. Aviez raison. Mesdames, allez-y, je vous en prie, montez. Par l'escalier, vous montez et vous vous installez sur la balance. Allez-y. Voilà. On a bien fait de prendre une dame en jupe, là, c'est super. Bien, alors là, jusque-là, tout va bien. Messieurs, je vous en prie, on va prendre le plus grand. Allons-y. Allez. Voilà. Attendez, hein, messieurs, attendez. Allez-y, monsieur, allez-y. Ta-da-da, ta-da-da. Un autre. Tenez-vous. Et le dernier. Et... Vous avez bien fait. Je vais demander aux hommes de redescendre en premier. Messieurs, descendez. Messieurs, un par un. Messieurs, allez-y, vous pouvez redescendre. Allez-y. Et puis vous pouvez retourner dans le public. On va vous applaudir et vous remercier. Merci beaucoup. Venez là. Rappelez-moi votre nom. Fatima. Fatima, vous avez décidé de prendre le rideau. Oui. Regardez ce que vous avez gagné. Et pour admirer tout ce qui est étoile, ne m'occupe pas se saisir de cette magnifique lunette astronomique. Ah, dites-moi, répondez-moi, ça vaut quand même 2140 francs. Ah ouais. Merci, Bill. Bah, c'est 2000 contre 31 000. Hein. Oui. Bon, finalement, on a quand même bien fait. Oui, on a bien fait. Fatima, on se retrouve à la fin de l'émission pour Merci. Le Big Deal. Merci, vous passez par l'escalier. Salut à vous. Au revoir. Et la poule là-haut, toujours, route du Doubs, Seigneur. Elle est toujours là-haut. On va jouer avec Bill pour son jeu fétiche et c'est Claudie qui s'y colle. Claudie pour le jeu de Bill. Tire un coup de fusil dans ta bécane. Oui, bah, j'ai pas de... Bonjour Claudie. Bonjour Vincent. Vous allez bien? Très bien, merci. Je vous présente Bill. Bonjour Bill. Bonjour public. Salut ma poule. Bonjour madame. Dis donc. Excuse-moi, je me suis trompé. Vincent, j'ai mon petit-fils qui est là. Il est où? Là. Petit-fils, là. Et puis il a un petit cadeau pour vous. Ah ouais, lui, là. Et c'est parce que ça va peut-être... Ah oui, bon, ça y est, on va le faire maintenant.
Vous nous arrivez d'où ? De Saint-Denis, la porte à côté. Ah, porte à côté. Vous faites quoi dans la vie ? Je fais plus rien, on veut pas de moi au travail. C'est je vrai. M'occupe de mon petit-fils. Ouais, ouais. C'est pour moi ça ? Ah, super. Tu me donnes un bisou d'abord ? Je veux un bisou. Comment tu t'appelles ? Anthony. Merci beaucoup, Anthony. Il faut vite te retourner t'asseoir dans le public. Et puis, merci beaucoup, Anthony. Ça me fait très plaisir. Vous avez travaillé dans quoi, vous Moi, j'étais représentante et excusez-moi, après... Excusez-moi, hein, j'ai un peu le bordel avec les micros, là. Après, responsable de magasin. Après, vous êtes... Non, non, oui. Je m'excuse, hein. Bill, qu'est-ce qu'il faut deviner aujourd'hui? Aujourd'hui, Vincent, il faut découvrir un personnage. J'ai un problème de micro, je crois. Ouais, aussi. Ok, d'accord. Il faut découvrir un personnage vivant. Non. Ah il non, est il est mort, il okay. nous a quittés. Allez, on vous écoute, vous mettez le cas, si vous découvrez d'après le premier indice, c'est 8000 francs, et puis après, on... Moi, je fais ma cravate. Alors, premier indice, chère mamie. Nous allons donc vous dire ceci. Je suis un écrivain espagnol. Enfin, j'étais un écrivain espagnol. Un écrivain espagnol. Attention. Spinoza. 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 Oh là 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 là, c'est pas ça. Oh. Mon amour, tu vas bien, je t'aime, tu es belle. Je suis également peintre et dessinateur. Oh, dessine-moi. Picasso. Picasso, on dit. Oh là 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 là, c'est extraordinaire, c'est la mauvaise réponse. Mes moustaches sont aussi célèbres que mes toiles. Dali. Voilà, Dali. C'est trouvé, c'est la bonne réponse. Vous avez votre casque. Hey. Merci. Ton sur ton, hein. Hey. Comment il s'appelle, votre petit-fils? Anthony. Anthony, ton sur ton, hein. Hey, t'as choisi nickel, hein. Bravo. Hein. Super. Nickel. Bien, vous avez gagné 5000 francs. Non, 6 000 francs. 6 000 francs ? 6 000 francs que vous pouvez échanger contre l'écran ou contre le rideau. Ah, c'est difficile. Le rideau. Vous ne sentez pas, le rideau ? Non. Vous le verrez l'écran ? Peut-être, oui. Maintenant, vous pouvez garder les 6 000 francs et faire des cadeaux à toute la famille. Oui. C'est vous qui voyez. Non, je garde mes 6 000 francs. Vous gardez vos 6 000 francs. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Derrière le rideau se tenait, comme c'est dommage, un superbe téléphone cellulaire, c'est-à-dire un téléphone mobile avec son abonnement et en plus ses accessoires. Et ça, ça valait 5750 francs. Non. Pas utile, pas utile. Je suis très content. Regardez ce qu'il y a dans l'écran. Là. Dis-moi ce qu'il y avait dans l'écran. Et dans l'écran, qu'est-ce qu'il y avait? Eh ben, les bonbons de Bill. Eh ben, on a bien joué. Bravo. Et merci d'être merci aussi gentil et spontané. Et encore une fois, vous embrasserez votre petit-fils pour moi. Passez par l'escalier. À tout à l'heure pour le Big Deal. On va jouer avec... Alors, une petite précision, très rapide. Il y a beaucoup de gens qui nous téléphonent à la production en disant on aimerait bien s'inscrire pour qu'on nous appelle. Mais c'est pas... ça serait un peu facile. Ouais, téléphone-moi, j'ai besoin d'une voiture. C'est pas ça du tout. Nous, on a un huissier qui, tous les soirs, prend un annuaire et il fait hey! Et on appelle. Et puis s'il y a personne là, on appelle celui d'en dessous, puis celui d'en dessous, puis celui d'en dessous. Donc ne nous appelez pas pour que l'on vous appelle. Ok, très bien. On va jouer avec quelqu'un au téléphone qui a gagné 6 000 francs, donc on l'appelle Zohazar. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Vincent Lagaffe, l'animateur du Big Deal à TF1. Oui, je vous connais. Moi aussi. Mmh. Enfin, je me connais. Quel est votre prénom ? Elisa. Elisa, vous êtes dans quel coin de la France ? Clermont-Ferrand, Issoire, La Combelle. Vous habitez les trois villes à la fois ? Non, à côté de Clermont-Ferrand et d'Issoire. D'accord. Ville chère à notre ami Fernand Reynaud. Voilà. Très bien. Vous travaillez, vous êtes retraité? Non, je ne travaille pas, je ne suis pas retraité, je m'occupe de mes petits-enfants. Oui? Oui. Vous êtes d'origine portugaise? Non, espagnole. Voilà. Très bien. Vous avez de la famille autour de vous? Eh bien, j'ai mon mari, là, à mon côté, et mon chien. Et votre chien? Voilà. Très bien. Comment il s'appelle, le chien? Yuki. Yuki. Et votre mari? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Mmh. Ici Jean-Pierre. Voilà. Et Jean-Pierre regarde la télévision. Il regarde la télévision. Et voilà. Et, Yuki aussi. Et Yuki dort. Ah, Yuki dort. Mmh. Bien.
C'est Elisa, c'est ça? Elisa. Elisa. Oui. Elisa, vous avez gagné 6 000 francs sans rien faire. Ah, c'est très bien. 6 000 francs, et comme on dit chez nous en France, net d'impôts. Net d'impôts, c'est ça. Hein? Ça, vous savez ce que ça veut dire? Oh oui, parce que les impôts sont chers. Elisa, après la publicité, je vous poserai une question toute simple. Mmh. Voulez-vous garder les 6 000 francs mmh. ou voulez-vous les rejouer et peut-être gagner plus, peut-être gagner moins mmh. D'accord? D'accord. On se reparle juste après la publicité, Elisa. D'accord. Yuki? Yuki? Viens voir, papa. Ah, Yuki dort. Yuki? Ah, il dort. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Jean-Pierre? Jean-Pierre, il est là, oui. Ah ben non, Jean-Pierre, on ne va pas l'appeler comme ça. Mais... non, parce que Jean-Pierre, lui, il lance pas la balle et c'est moi qui... Et puis c'est... On se retrouve après la pub, Elisa. Oui, après la pub. Après la pub, nous, on jouera à la bataille navale de dehors. On va jeter des boulets de canon sur des bateaux à 30 mètres de haut. C'est la pub. Savourez le Big Deal avec BN, partenaire officiel du goûter. Retour sur le plateau du Big Deal, tandis que Pascal est en train de remettre son oreillette, elle est une grande pro. Voilà, je vous remets un peu le micro, comme ça, voilà. Ça va bien, vous deux? Très bien. J'ai un coup de téléphone à passer, je suis à vous tout de suite. Ok. Elisa? Oui. Ça va bien? Ça va. Bien. Est-ce l'ultima suerte? Oui. Alors, vous avez gagné 6 000 francs? Oui. Vous avez discuté avec Jean-Pierre? Non, même pas. Même pas, c'est vous qui prenez la décision? Oui. Alors, est-ce que vous gardez vos 6 000 francs ou est-ce que vous les échangez contre le rideau? Non. Vous les gardez? Je les garde, oui. C'est sûr? C'est sûr. Vous n'avez pas besoin de voiture? Non, je suis une 309, ça me suffit. Bon, ok, parfait. Yuki, il n'avait pas besoin d'un truc, une copine? Non, non. Bon, eh bien, regardez ce que vous n'avez pas gagné, mais vous avez quand même gagné 6 000 francs. Mais je ne vois pas bien. Quel dommage, vous avez perdu cette magnifique télé 70 cm. Oui, vous l'avez perdue, elle était vraiment superbe et elle valait 5 690 francs. Voilà. Bon, eh bien, c'est pas grave. Ça fait rien. Vous en avez déjà une télé de toute façon? Oui, oui, on en a une. Vous faites mes amitiés à Jean-Pierre. Et vous les faites un gros bisou à Bibille. Ah, mais j'y manque pas. Bibille, on t'embrasse. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et vous faites une caresse à Yuki. D'accord, et je vous remercie. On vous souhaite plein de bonheur, Elisa. Merci beaucoup, Vincent. Comment dit buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Voilà. Bonsoir. Vous êtes mariés? Non. Vous vivez ensemble? Du tout. Ah non, vous n'êtes même pas fiancés, rien. Vous êtes juste des copains. Très bons amis, oui. Et c'est juste sentimental entre vous. Il y a pas, c'est pas sexuel du tout. Hein. C'est pas juste. Ok. Alors. Vous êtes mariés dans votre coin? Non. Du tout, non plus. Non. Vous avez un petit copain? Oui. Ah, quand même. Oui, quand même. Et vous? Oui, oui. Ah ouais, d'accord. Une amie et un enfant. Ah ouais. Ah, vous avez une amie qui vous avez eu un enfant? Enfin, vous avez un enfant et une amie. Très bien. Le jeu est le suivant. Vous avez 5 boulets de canon. Que vous allez avoir le droit de balancer sur les bateaux. Et Bill, pourquoi allons-nous jouer? Eh bien, mon ami Vincent, je vais te le dire. Nous allons jouer, enfin, nos amis vont jouer pour un séjour en Polynésie. Oui, un séjour en Polynésie d'une valeur de 31 000 francs. C'est-à-dire que pendant 10 jours et 7 nuits, vous irez vous baigner dans les eaux les plus colorées, les plus bleues du monde, dans un soleil extraordinaire avec des danseuses fantastiques. Et cela à Tahiti. Vous vous rendez compte, 31 000 francs. Vous pouvez gagner 31 000 francs, bonne chance. Attention, ceci est donc notre cinquième deal. Vous avez bien compris, sur 5 boulets, pour faire péter les 3 bateaux. Ici, il y a les 3 bateaux, bien, c'est un séjour en Polynésie. Vous commencez, Pascal? Oui. Allez. Bon. Alors, vous n'êtes pas obligé de tomber en plein dessus. Hein. Il suffit que la vague que provoque le boulet de canon dans le carré soit suffisamment puissante pour faire tomber le bateau. Vous visez lequel? Le milieu. Le milieu, c'est-à-dire le B2. Voilà. Allez, on est parti B2. Quand vous voulez. Oui. Ah non, là, c'est le B3, là. Hein, mais c'était pour l'autre. Ouais, c'était. Vous avez encore un droit à l'erreur. Ok. Allez, Marcel, quand vous voulez, vous visez lequel, vous? Oh, ben je vais. Le C3? Je vais essayer le C3. Allez, va pour le C3. Ouais, joli. Oh, dommage. Bien, alors là, il n'y a plus le droit à l'erreur du tout. On n'a plus le droit à l'erreur du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye quand même de faire tomber les 3 bateaux ou on laisse tomber et on prend le rideau? Non, on va quand même... Vous essayez de tenter votre chance? Oui. Attention, hein, si vous ne faites pas péter les 3 bateaux et que vous avez renoncé au rideau intermédiaire, vous n'avez même pas droit au dernier rideau. Donc pas droit au Big Deal. Ça me paraît difficile.
Comme ouais, tu veux, c'est Pascal. C'est pas injouable, ça a été fait. Oui, moi ça me paraît très difficile. Rideau. Rideau. On prend le rideau. Rideau. Bien, alors Bill, tu fais ta petite annonce, ça nous donne le temps de descendre et de te retrouver pour découvrir ce qu'ils ont gagné derrière le rideau. D'accord Vincent, chers amis téléspectateurs, oui, vous aussi vous pouvez faire partie de cette émission. Vous voulez être dans le public et rigoler avec nous? Eh ben, il n'y a pas de problème, faites-le 0803 89 90 91, c'est marqué ici, là, voilà. Ou alors vous voulez être candidat, tenter votre chance et balancer des boulets de canon d'une trentaine de mètres? Alors faites-le 36-15 côté TF1, il n'y a pas d'autre moyen. Je vous rappelle aussi que les finalistes du Big Deal ont d'ores et déjà gagné un abonnement de 1 an au magazine. Ah, le voilà, et les loisirs, il apparaît, il est là. C'est fantastique la magie. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à celui qui nous a fait rire jusqu'à maintenant. Oui, il revient de très haut pour être ici très bas. Regardez-le sur ce plateau, mesdames et messieurs, l'extraordinaire, l'incomparable, l'inénarrable Vincent Lagaffe. Bon, la poule est toujours là, la poule est toujours là. Et toujours le jeudi, la poule était toujours vivante. Non, elle est descendue de ta soucoumbi, là. Oh, bah, tu m'as fait peur. Elle est descendue de la soucoupe. Vous avez décidé de prendre le rideau? Oui, tout à fait. Malgré le voyage en Polynésie, ça aurait été un petit peu difficile de partir en Polynésie tous les deux. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, il y en aurait deux autres. Il y en aurait deux autres qui auraient fait la gueule. On aurait joué ça au dé. Vous avez pris le rideau, vous avez peut-être eu raison. Regardez ce qu'il vous attend. Laissez-moi vous offrir ce fabuleux scooter des mers. Il est magnifique et en plus, je vous offre la remorque. Valeur totale de ce cadeau, 50 550 francs. C'est ça. C'est une très belle machine, ça. C'est une très bonne machine. Vous faites un peu de... Très bien. Non. Non. Ben vous allez vous y mettre. Cette chance. Et faut le permis, hein. Oui. Faut le permis mère, hein. Faut la carte mère, hein. C'est important parce que on a suffisamment d'ennuis avec ça. Ouais. Ça vous plaît? Très bien, vraiment génial. Ça vous quoi le... Ben je vous en prie. Merci Bill. À combien on fait le Wave Raider 2, le Blaster 2? Le truc là, ça vaut 50 550 francs. Mine de, hein. Très bien. Mine de. Bien. Super. Allez savoir si vous allez le garder, si vous allez le remettre en jeu. On va savoir tout de suite avec le Big Deal. Allez, voilà. Et voici le moment que tout le monde attendait, le Big Deal. Avec en première position Marcel et Pascal, 50 500 francs. Deuxième position Sébastien, avec sa moto à 27 335 francs. Troisième position, eh bien, c'est Vanessa, Roland, Pierre et Didier, puisqu'ils ont eu pour 22 422 francs de cadeaux. Ensuite, en quatrième position, Claudie, avec 6 000 francs. Et cinquième position, Fatima, avec 2140 francs. Très bien. Voilà. Alors, un jet à plus de 50 000 francs. On garde. Super. Je vous souhaite de très bonnes vacances et merci d'avoir participé. Merci. Sébastien. Je garde. Vous avez gagné. Une moto, ouais. Je garde. C'est une 125. Ouais. Gaffe, hein. Ouais, mettez le casque. Hein. Ouais, je veux pas que vos téléphones, vos parents m'appellent en disant mon fils, il s'est vautré. Ouais, hein. C'est bon, je suis content. Ok, merci. Super. Qu'est-ce qu'on a gagné, nous? Oh, ah ouais, des télés, des appareils photo. Qu'est-ce que vous faites? On les garde. Vous allez les garder? On va penser aux amis. On a tous gagné, donc on garde. Donc c'est tout bénef. Ouais. Merci beaucoup. Claudie, vous avez gagné 6 000 francs. Eh bien, je garde mes 6 000 francs. Vous avez tout à fait raison et vous êtes sage. Et j'aime les gens de votre génération qui savent qu'un franc, c'est un franc. Et un franc, c'est 100 sous et la terre est basse. Absolument. Bon, Fatima. Allez, Fatima. C'est sur un plateau qu'on vous l'offre, là. Hein. Oui. Vous pouvez pas refuser. Ah non, je refuse. Allez, pas, passez là. Devant, Fatima. Venez là. On va se décaler un tout petit peu. Voilà. Fatima, vous avez la possibilité de choisir entre les trois billettes que voilà. Je prends bleu. Bon alors, vous avez choisi. Attends, c'est maman qui joue. C'est maman qui joue. Maman elle a choisi la bleue et papa a choisi la bleue. Toi tu choisis la jaune. On va déjà voir. Et maman... Donc on reste sur la bleue. C'est vous qui voyez. Bleu. On prend la bleue. Ok. On va découvrir ce qu'il y avait derrière la jaune. Comment il s'appelle votre petit garçon? David. On va voir si David avait raison en découvrant ce qu'il y avait derrière la jaune. Regardez bien. Derrière la billette jaune se tenait, oh c'est un suspense, le maillot de bas de Bill, d'une valeur de 389 francs. Hey David, on revient de loin, hein? Comme si on avait été pêcher la morue, hein. Bien, on reste sur la bleue. On reste sur la bleue, allez. On reste sur la bleue. La bleue.
par exemple. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que vous avez gagné? La voiture! Vous avez gagné la voiture à 83 800 francs. C'est extraordinaire, c'est fantastique. Regardez, elle apparaît derrière le rideau. Oui, elle est là. Là-bas. Elle est là, la belle voiture. Voilà. Venez, Fatima. Vous avez le permis? Allez. Venez. Merci. Montez là-dedans. Montez là-dedans, voilà, la ceinture. Passez de l'autre côté, vous. Salut, David. Un bisou. Allez, monte dans la voiture de l'autre côté.